Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du nouveau bouclier, donc le bouclier surchargé de Fortnite, saison 2 chapitre 3. Alors je vais vous expliquer que ce bouclier est sur-cheaté parce que tout simplement vous pouvez l'avoir en illimité. Donc je vais vous présenter ça sur la petite île là-bas. Alors regardez ici en bas à gauche de ma vie, enfin à droite de ma vie, vous avez le bouclier qui est en train de se charger. Donc ce bouclier, c'est le surbouclier que je vous parle. Et en fait, quand vous allez vous faire tirer dessus, c'est le premier truc qui va prendre les dégâts. Donc c'est 50%, enfin c'est 50 points de bouclier supplémentaires à votre jige, à votre jauge de vie. Donc vous pouvez avoir 100% de points de vie, vous pouvez avoir 100% de bouclier et vous avez 50 de points de surbouclier. Alors ce bouclier, il se recharge en illimité, donc vous avez un bouclier en illimité. Si vous arrivez à bien gérer les bails dans vos failles, dans vos fights, donc dans vos combats, et ben là, vous pourrez avoir ce bouclier en illimité et prendre l'avantage sur les autres joueurs. Parce que ce bouclier va se recharger très rapidement et très facilement. Donc regardez, je vais attaquer le visiteur. Hop. Donc là, il va m'attaquer. Et dès qu'il va me toucher... C'est le bouclier, le surbouclier qui va prendre les dégâts. Ok, donc voilà, regardez. Là, il m'a touché. Il m'a fait 25 de dégâts. Et là, il me l'a cassé. Donc là, il m'a cassé. Il m'a cassé complètement le surbouclier. Et regardez, maintenant, si je me cache pendant une dizaine de secondes, et ben boum, le bouclier se recharge automatiquement. Il lui faut une histoire de 10 à 15 secondes pour se recharger. Donc, si vous arrivez, donc si maintenant, si votre bouclier se casse, vous vous cachez pendant exactement 25 secondes, bah votre bouclier se recharge en illimité. Regardez, hop, là j'ai du shield. Donc là, il va casser mon bouclier. Et ensuite, ça touchera uniquement mes points de bouclier. Donc, et il va me casser mon surbouclier s'il y arrive, voilà. Et là, maintenant, il m'enlève mes points de bouclier que j'ai en haut de ma barre de vie. Donc là, ce que je fais, bah, c'est que je me cache. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25 secondes, quoi. Même pas, en fait. En vrai, en 20 secondes... Peut-être en 15-20 secondes, vous avez récupéré la totalité de votre shield. Hop, après, vous ressortez, vous mettez des balles, vous voyez que vous perdez l'avantage, bah vous vous recachez, vous allez ici, vous attendez que votre bouclier se recharge, et puis boum, vous retournez sur l'adversaire et là, vous le réattaquez. Alors, bien entendu, il faut savoir que les autres joueurs, bah, s'ils sont assez malins, bah, ils vont le faire aussi cette technique. Donc bien entendu, si vous voyez un autre joueur qui se casse, qui court, bah essayez de le poursuivre pour ne pas lui laisser le temps de recharger son surbouclier parce que sinon bah, il récupère 50 de boucliers supplémentaires à chaque fois. Donc voilà, la technique elle fonctionne pour vous mais la technique elle fonctionne pour les autres aussi. Donc voilà, essayez de faire en sorte que les autres ne recherchent pas leur surbouclier pour prendre l'avantage sur vous. Et par contre, bah, vous essayez de vous servir de ce nouvel ajout pour justement prendre l'avantage sur vos adversaires. Alors je pense que le surbouclier ne restera pas éternellement. Je pense qu'il va quand les constructions seront disponibles, donc seront de retour sur Fortnite, bah, le surbouclier s'enlèvera du mode normal, du mode avec les constructions. Par contre, je pense que Fortnite va laisser un mode sans construction, donc un autre mode que le jeu sera à part, donc ce sera un Battle Royale sans construction. Et là, à ce moment-là, bah, on pourra récupérer notre surbouclier. Donc j'espère vraiment qu'ils ne vont pas enlever complètement le mode sans construction parce que c'est un mode que moi, il me plaît vraiment beaucoup. Donc regardez, on peut escalader et tout, on peut faire... Enfin voilà, je trouve que c'est plus juicy. Moi, je suis plus du style no construction qu'avec les constructions. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.
Donc voilà qui termine le guide complet des défis de rébellion de Fortnite chapitre 3 saison 2. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace. Yummy, bruh.